Votre groupe, les gars. Bonne vibe. T'es arrivé comment, toi? Moi, c'est Crab qui m'a mis sur l'affaire, parce que je suis photographe. Et il y avait besoin de quelqu'un pour faire la com pour votre manif. On dit une action. Après, je vous cache pas qu'il y a une petite motivation derrière. Eh, hey, mon ami, c'est pas la cour de récré, ici. Laquelle? Tu parles de laquelle? Couleuvre? La brune. C'est de Couleuvre dont tu parles? Jolie. Couleuvre? La brune. C'est vrai que la fille dont tu parles, là, c'est ma copine. Ça l'est plus, l'ombrique. Ah, merde! Ah non, désolé, c'est juste que les yeux verts, ça me... Elle a pas les yeux verts. Elle a les yeux bruns, presque noirs. Il part de sauterelle, putain. Laisse tomber. Hein? Détends-toi. Bon, bah, finalement, on a gagné le procès. C'est un euro symbolique, mais c'est un début. Mais ils vont continuer de faire leur politique productiviste à la con. Construire un quatrième aéroport ou aller mettre une gare au milieu d'un champ qui sert à rien. Une euro symbolique. La voie politique, elle sert à rien de toute façon. C'est pour ça qu'on doit agir. Ouais, mais la porte, elle est ouverte maintenant. L'État a été condamné pour une action, c'est énorme. Faut qu'on soit optimiste, les gars, là. On n'a pas le choix. Le truc, c'est pas de condamner l'État, c'est de le supprimer. Pour le coup, je suis d'accord. On peut pas viser ça, faut être réaliste, les gars. Moi, j'ai une question pour toi. Ceux qui nous contrôlent, qui les contrôle? Mais je sais, enfin, le chantier a été stoppé par un oiseau, enfin, c'est positif ça quand même. Tu sais que c'est de la merde ce que tu vois? Moi j'aime bien. J'aime bien? Mmh. Tu sais que c'est mauvais pour toi, pour la planète, pour la santé? Tu sais c'est fait comment au moins? Non. Bah c'est de la taurine. Ils ont buté un taureau pour te la foutre dans la canette. C'est pour ça que ça me donne la pêche. Je suis puissant comme un taureau après. Waouh. T'as envie de ken pendant les règles, toi? Bah, moi, ça m'enlève mes maux de ventre direct. Ouais. En plus, c'est le moment où on est le plus horny. Enfin, moi, c'est comme ça. Of course. Ouais, d'ailleurs, meuf, je me suis acheté des culottes menstruées. C'est vachement chouette, j'ai l'impression de ne plus avoir mes règles du tout. Ouais. Ça va, les girls? T'en penses quoi, du sexe pendant les règles, toi? Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça te dérange pas d'être salir, d'avoir du sang tout autour de la bouche? Si la fille me le demande... Sans mes couverts, c'est bien. Et qu'est-ce que t'en penses des filles qui sont complètement possédées, qu'elles arrivent, elles te déchirent tes vêtements, elles te collent contre le mur? Tu serais capable de gérer ça, toi? Oh, je sens un truc bestial en vous, là. Ouais, c'est normal, je suis dans ma phase enchanteresse, et dans une semaine en phase d'ovulation, donc... C'est le moment idéal pour faire de nouvelles rencontres, quoi. Et toi, c'est dans une phase... Moi, je vais avoir mes règles, genre, demain. Du coup, je suis bouillante. Ok. Ok. Super. Force et courage. Alors, c'est bon, on peut y aller? On évite tous les ronds-points quand on s'approche de la cible, ok? Ça marche. Tout le monde a son poste? Ouais. Ouais. Driver. Cooper. Bloqueur. Bloqueuse. Diversion. Ronneuse. Pilote. Photo. On dit média-activiste. Média-activiste. Ok. Non, pas la peine, moi je dépose seulement. C'est pourquoi?
Si tu te fais prendre, tu te tais, tu demandes à appeler ton avocat. Moi, ils me prendront pas. Pas vivant, en tout cas. C'est chaud à ce point, votre truc? Je te l'avais dit. Non, mais je suis là. Allez. On se donne les mains? Ouais. On ferme les yeux. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. À 3. 1, 2, 3. Planète Terre! Planète Mère! Planète Terre! Planète Mère! Bon, allez, bah, c'est parti, mon lapin. Allez. Allez, go, 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 go. Ah allez. Allez. Les vannes les plus courtes sont les meilleures. Non, mais là, c'est pas une blague, là. Il se passe quoi? Non, mais réessaye. Réessaye, là. Oh, putain. Oh non! Putain! En fait, je me demande, c'est pas le fait que ma mère, elle nous ait laissé du jour au lendemain. Parce que depuis ce jour-là, bah, ça va pas à Iradia non plus. Alors, si jamais vous l'apercevez, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon compte privé. Elle a une robe blanche, une tache autour de l'œil, un peu comme Geronimo. Si vous la plaignez, hein, presque toujours, vous faites des bruits de bouche. Radia ! Appelle Diamant. Je l'appelle pas. Appelle pas, ça arrive. Oh, je ne l'appellerai pas, tu l'entends ça ou pas ? Tu comprends que si je foire, elle ne fera plus confiance, tu l'as ça ou pas ? Alors les gars, vous trouvez ? Putain, moi je suis un mécano maintenant. T'as mis de l'essence ? Ouais, super, j'ai mis de l'essence. T'as vu la jauge ? Elle était comme ça, putain. Hé, hey, Lombrique, ton oncle, il t'avait pas prévenu? Mais prévenu de quoi? Il est tout neuf, son bus. Tranquille, les gars, on se parle bien, hein? Non, tranquille, non. Tranquille, non. J'ai pas que ça à foutre, moi. J'ai ma petite à chercher. Je suis mort, putain. C'est quoi cette excuse bidon? Tu viens dans l'action, tu vas jusqu'au bout du truc. Et tu sais ce que ça veut dire que d'avoir un gosse? Ok, j'ai pas de gosse, mais c'est ça ton problème. Alors ferme ta gueule. Mais t'as dit que ta gueule. Quand tu participes à des trucs comme ça, c'est un problème. Mais c'est lui, il a pas de couilles. Vous êtes tellement phallocentré. Fallo quoi? Phallocentré, vous parlez tout le temps de vos bites. Et toi, tu sers à quoi, à part cueillir des pâquerettes depuis tout à l'heure? Bah moi, je cueille des pâquerettes, je vous parle pas de ma chatte. Waouh, super, waouh. Mmh. Bravo. Oh, lapin, bouge. Bah, bouge. On a rien fait de mal. Bah si, parce que contester aujourd'hui, c'est mal. Radia. Eh, vous avez pas vu un cheval? Hi. I'm sorry, we don't speak French. Un cheval. Cheval. Oh, horse. Yes. No, sorry. Yes, maybe I saw it by this way. Mm. Yeah. Okay. Bye. Mal poli, va. Bon, en tout cas, hey, merci beaucoup, Phil. Pierrot. Tu vas où? Tu la connais, la musique? Bah oui, je la connais, la musique. Ah voilà, j'ai pas de quoi régler. Mais alors, la prochaine fois, je te règle. T'as déjà 140 euros de dette. Mais Phil, tu me connais. En 3 semaines. Tu sais où je suis, tu me connais. Mon père, il est pas passé de te régler? Non. Mon père, il est pas passé? Du tout. Alors, mais tu sais quoi, hé, on fait comme ça, Phil. Je t'en prends qu'une. Passe au garage. Non. Passe au garage et je te fais un truc. Phil, t'es un bon. Merci, Phil. D'accord pour renoncer? D'accord pour aller chercher de l'aide? Ok. Bon, bah, si ça vous va, j'y vais. Ça marche, merci. Je t'accompagne. J'ai aussi. Ça va, y a pas besoin des 12 non plus. On sait jamais. Eh oh, les gars! Clando, hein, scred! Personne doit compter ce qu'on fait, c'est bon? Ouais, ouais. Tu peux arrêter de beugler, s'il te plaît, c'est fatigant. Pourquoi tu me suis? On pourrait se parler, non? Bah, t'as pas changé, je vois pas pourquoi on devrait en reparler. Je fais des efforts, j'ai changé dans mon comportement, tu l'as vu, non? En 3 semaines, t'as changé, c'est ça? Mais t'es toujours aussi impulsif. Tu vois bien que j'ai pas le même comportement quand je suis avec toi que quand je suis avec le groupe. C'est parce que je vis les choses pleinement, c'est parce que je suis impliqué que je suis comme ça. Est-ce que j'ai déjà été violent avec toi? Non? Non, mais ça fait partie de ta personnalité, t'es comme ça, tu peux pas le nier. Hé! Hey hé! Hey. Je crois que c'est par là. Tu déranges un truc? Ah non, pas du tout. Tu peux nous laisser 2 minutes, s'il te plaît?
Non, mais en fait, là, faut qu'on y aille, on a voté et tout, faut y aller. Juste 2 minutes. Tu peux pas les prendre après, tes 2 minutes? Avance! On te rejoint après, y a pas de soucis, mais laisse-nous 2 minutes! Non, mais c'est bon, on peut les prendre à un autre moment, ces 2 minutes, c'est pas urgent! Mais comment ça, c'est pas urgent? Bah, c'est pas une question de vie ou de mort, je sais pas, c'est réglé, non? Vous savez quoi? On s'en fout. Mais je peux pas supporter ce gars. Il est comme ça, il arrête pas de parler, il parle, il parle, il pleure. Super. Et du coup, vous avez fait beaucoup d'actions ensemble? On a fait quelques-unes, ouais. Pas mal, ouais. Super. Relève un peu le menton. Ouais. Et toi, t'es venu pour assurer la com, c'est ça? Ouais. Ouais, bah moi ça fait 5-6 ans que je fais de la photo. En mode surtout, pour des magazines. Dans la mode, ça pollue. C'est-à-dire? Bah par exemple, il faut 10 000 litres d'eau pour fabriquer un jean. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'achète d'occasion après. Ça c'est mieux ça. Excuse-moi une seconde. Tu fais quoi là? Chut. Ouais. Je shoot là, je te rappelle. Tu fais quoi là? Mais quoi? Attends, Crabe, elle t'a pas dit? Crabe, elle quoi? Mais en fait, il n'y a pas de téléphone, c'est le principe. On est un mouvement écolo, les ondes, c'est pourri. En plus, on peut nous tracer. Mais t'es con ou t'es con? C'est mon outil de travail. Putain, c'est vraiment un problème avec les mecs, quoi. En avoir un mignon, mais non, il est con. Bah, attends, je comprends pas, j'ai un téléphone, je suis con? Genre. En fait, c'est comme si tu disais que t'étais vegan et que tu portais du cuir, tu vois? Non, tu vois pas. Enfin, bref, t'es con. Tu peux le couper parce qu'en plus, ça se trouve, tu me filmes, là. Oh, ah, t'as parano. Bah, attends. Mais, sauterelle. Shut up. Là, tu veux quoi? Bah c'est bon, parle mieux. Vas-y, dégage. Non, c'est bien. Pour ça que tu veux pas avoir d'enfants? Parce que t'as des petits problèmes familiaux? Non. Les enfants, c'est juste parce que le monde est à chier. Moi, je veux pas dire à mes enfants, voilà, je vous ai mis dans un monde de merde, et vous allez devoir vivre dans ce monde de merde. Bienvenue. Ouais, de quoi, les gars? Tu veux des enfants, toi? Bah, ouais. Ça apporte de l'amour et du bonheur au monde. Ouais, enfin, du bonheur, ça apporte surtout plus de personnes sur Terre. Hein. Ce qui apporte du bonheur au monde, c'est niquer le gouvernement, clairement. Ce qui apporte le bonheur, c'est de faire quelque chose. Ça va? Ça va, toi? Ça va. Bon, tu m'envoies le téléphone, s'il te plaît? Non. Comment ça, non? Ben non, désolé. Mais on avait un deal, toi et moi, à la base. Quel deal? Bon, on n'avait pas de deal. Mais vas-y, s'il te plaît, assure sa mère, elle va me tuer si je vais pas la chercher à la crèche, tu le sais, ça. Tu sais les règles, je suis désolée, mais non. Vas-y, s'il te plaît. Tu sais les règles. Vas-y, on n'est pas l'armée, là! Bah si, justement, en fait. Donne-lui, c'est pas la fin du monde. Bah si, c'est la fin du monde! Comment tu veux qu'on avance si on n'a pas nos propres règles? Mais on n'avance pas! Bah non, on n'avance pas! T'auras pas le téléphone, c'est tout. Allez, vas-y. Toi, occupe-toi de tes fesses! Putain! Ça me casse les couilles! Ça me casse les couilles! C'est qu'on m'appelle comment? On m'appelle Yves Lepadé! Non, c'est une fois. Merci! Tu penses que les gens peuvent changer? Bien évidemment. Sinon, ça sert à quoi ce qu'on fait? Non, mais je te parle pas de ça. Ah, Lombric. C'est un mec génial. Ouais, un mec génial, mais dans le groupe. Enfin, bref, laisse-moi. Il est sensible. C'est génial, les mecs sensibles. Ah oui, donc la sensibilité, ça justifie tout, c'est ça? Non, mais entre nous,
Il est hyper névrosé, non, tu trouves pas? Tiens, regarde, on arrive. Oh là, ma fille. Oh là, Mimi. Si tu savais quand même, on fait baver. Si elle pouvait voir les mêmes yeux que toi. Ça te dit qu'on aille se promener, hein? Hein? Qu'on aille faire un tour tous les deux? Ça te dit? Sois libre. Tu veux? Allez. On est parti. Excuse-moi, camarade. Oui. On aimerait faire appel à ta solidarité de travailleur. De quoi tu me parles? C'est quoi le problème? En fait, on aurait besoin de tes talents pour nous sortir d'un gros pétrin. Écoutez, j'ai vraiment pas le temps. Vraiment, je peux pas. Donc, essayez de repasser un autre jour. Oh, mais vous fabriquez des vélos? Mais c'est génial! Regarde. T'as vu? En effet. On fabrique, on restaure, on lustre. Et on revend. Et vous faites ça tout seul? Non, bien sûr que non. Je fais ça avec mon père. Celui-là. Ah ouais. Un mix anglais. Ah, la couleur, elle est magnifique. Oh là 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 là, regardez celui-là. Vélo porteur. 1960. Entièrement d'origine. Une merveille. Et on peut vous en acheter? Bien sûr. Celui-là, par exemple. Tout en aluminium. 7,8 kg. Monoplateau. Campagnolo en 42. D'ailleurs, j'ai une petite livraison pour la semaine prochaine, donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas le temps. Surtout, j'ai encore celui-là. Vous êtes là pourquoi du coup? C'est-à-dire que. On a besoin de votre aide. Mais vous y vous croyez, vous? Y'a personne qui me répond. J'ai l'impression d'être la reine des connes dans ce village. Personne me calcule. Et je crois que les gens, ils sont jaloux de mon père. Et si mon père, il a tout ça, c'est qu'il s'en est donné les moyens. Ça, les gens, ils comprennent pas. Ils s'en foutent. Mais s'il fait de l'agriculture, c'est qu'il faut nourrir le monde. Pas forcément que la France, les autres pays aussi. Tous ceux qui sont en manque de blé, de farine, de maïs, de betterave. Le sucre, c'est super important. Michel! Hey Michel, t'as pas vu Radia? Si, t'es un peu kamikaze. Si tu te fais exploser, t'es un peu con. Je me fais exploser pour une cause, c'est pas pour que tout le monde explose, c'est pour que les connards explosent. Du coup, si tu te fais exploser, tu te sens connard. Mais moi, je suis un connard, je le sais. Non. Moi, je crois pas. Un quickie dans les bois, ça te dit? Un quoi? We go, we fuck. Hein? Ouais. Et vous allez où?
Par là ? Ça fait 2 heures qu'ils sont partis, on va voir ce qu'ils font. Ça fait même pas 40 minutes. Même, on va les chercher. Et Lapin, tu vas où ? Je les accompagne. Mais c'est... What the... Les fautifs, tu vois, c'est ceux qui bousillent la planète. C'est ces bourgeois capitalistes-là qui réfléchissent qu'en termes de profit. Vous êtes communiste ? Lui, surtout. J'en ai eu qu'à la télé, moi. Plus sérieusement, camarade, avec leur 4e aéroport, là, tu crois que ce dont la planète elle a le plus besoin, c'est d'encore plus d'avions dans les airs ? Eh, ça a son utilité, quand même, hein. Mais pour faire Paris-Rennes, t'as besoin de prendre l'avion. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Rennes, moi ? C'est un peu haut pour moi. J'adore ton odeur. C'est naturel. Laisse-moi sentir encore. Tu peux me sentir le cou aussi si tu veux. Tu parfois. Ça gâche ta présence masculine. Ça bloque tes phéromones, tu sais. En gros, je peux pas avoir la chimie qui rentre nos deux corps. Je peux pas. Alors que de ce côté-là, ça me chamboule. Tu comprends ? Non. Bon. Tu voudrais pas aller me chercher mon thé à la menthe qu'il y a dans mon sac d'acheter, s'il te plaît ? Nous, on t'attend là. Je peux pas rester ? Non, mon lapin. Après. Ok ? Pire, je peux vous... Non. Non, mon lapin. Vas-y et on verra après. Eh, hey, déconnez pas, hein, vous m'attendez. Qu'est-ce que tu fais ? Viens, ça que t'as acheté. Laisse tomber, viens. Pose un cul, je t'ai dit. Laisse tomber. Bon. Tu vois Sauterelle ? Ouais. Ouais. C'est le genre de nana intelligente. Ouais. Elle suit ses pulsions, donc crois-moi, ça sert à rien de préparer des plans pour... Tu perds ton temps, mec. Je te le dis. Oh, oh putain, le con. Non, mais je me suis dit, je vais la tenter quand même. Ouais. Tu vois. Et du coup Du coup. T'as l'air de t'y connaître, toi, en amour ? Non. Non, pas du tout. Je suis un mari tout pourri, en vérité. Pourquoi tu dis ça ? Je sais pas. Je suis divorcé, tu vois, mais ça va. Maintenant, j'essaie d'être un super-héros pour ma petite fille, tu vois. Sauf que là, je sais pas comment la récupérer à la crèche, la petite. Mais t'as pas de... Bah non. Bah non, je suis dans une sacrée merde. Enfin, on verra. Bah sinon, on est entre nous. Regarde. Et voilà. Il était temps. Ouais.
Voilà notre sauveur. Génial. Camarade. C'est bon, on a trouvé. Monsieur va nous dépanner. Bravo. Appelez-moi Pierre quand même. Par contre, je vous promets rien parce que je suis dans le vélo d'habitude, donc on met pas non plus des miracles. Hein. Bah, c'est un peu pareil, ça roule. Ouais, si on veut. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'en sais rien, moi. Bah, à la base, le truc il marchait, et là, il marche plus. Il est où l'ombrique? Il prend l'air. Il prend l'air. Il va revenir. On va avoir un retard de dingue, meuf. Appelle Diamant, s'il te plaît. Non, j'appelle pas. Mais quoi? Oh, vous le savez, de toute manière. Même si un groupe est dans la merde, on va pas le chercher. C'est tout. Non, mais c'est dangereux de rester ici, tu le sais bien, ah, putain. Ça va. File-moi le téléphone. Non, tu l'auras pas. Pourquoi? Parce que t'as pas envie qu'ils sachent que t'as tout foiré? Pardon? J'ai tout foiré? Écoute, Crabe, vraiment. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais là, j'avoue, t'abuses quand même. Non, mais merde! Vous comprenez ou pas? Pourquoi est-ce qu'il y a tous les flics? Il y a des barrages de partout. Purple, il est en zone C. Diamant, tenaille, et nous on est là. Pourquoi d'après vous? On attend 25 minutes. Non mais attends, tu peux pas prendre cette décision toute seule. On est un groupe. Tu peux pas dire j'appelle pas, tu peux pas dire je, ok? Merde! Ils vont pas venir. Vous comprenez ça ou pas? Arrête avec tes photos, tu me gaves. Bon, camarade, on va faire un vote. Ah parce que vous croyez que c'est de ma faute? Ce putain de bus, il marche pas. C'est bon les gars, arrêtez avec vos querelles d'amoureux, c'est pas y'a le moment. Y'a pas de querelles d'amoureux, y'a pas de question d'amoureux là. Si, y'a une question de querelles d'amoureux, je vais te dire, tu me fatigues avec tes aspirations politiques de merde. Oh, calmez-vous, c'est bon. Oh, hey, calmez-vous. Tu sais ça? Tu fous tout le monde dans la merde. Je fous tout le monde dans la merde. Alors pourquoi c'est moi que vous avez choisi pour être à la tête du groupe? Pourquoi? Parce qu'au début t'étais crédible, là tu l'es plus. C'est bon, stop les gars, vraiment stop. Stop! Oh, tu m'as gavé, tais-toi! Stop! Non, je me tairai pas. D'habitude, je me tais tout le temps, mais là, je me tairai pas. Je vais te dire, ce que tu fais, c'est de l'abus de pouvoir. Tu fais exactement la même chose que le gouvernement. Mais les gars, vous faites ça chez vous, vous faites pas ça ici, ok? Stop! Fasciste! Stop! Je t'emmerde! Stop! Merde! Oh. Putain! Vous vous embrouillez souvent comme ça? Ça arrive. Quand on est super investi, quoi. Parce que du coup, vous êtes là pour quoi exactement? Tu connais l'histoire du colibri? Colibri. C'est pas l'oiseau qui bat vite, là? Ouais. Ouais, je vois. Bon, c'est l'histoire d'un petit colibri, okay. En Amazonie. Il y a un énorme incendie. Genre un truc, t'as jamais vu ça, tu vois. Okay. Le petit colibri, il va dans un énorme fleuve. Il va dans l'Amazone avec son petit bec chercher de l'eau. Et là, il croise un tatou. Et là, le... Tatou? Ouais, le tatou. Colibri, il est tatoué? Non, l'animal. Ah, l'animal. Tatou, avec les écailles. Ok, je vois. Ok. Et là, le tatou, il lui dit, mais tu fais quoi? Ça sert à rien. Et le colibri lui répond, bah si, je fais ma part. Parce que du coup... Ok. Mm. C'est génial. Tiens, tu me tiens le boulon, là, s'il te plaît? Là? Ouais. Hop, merci, vas-y. Hey, vous avez pas vu my horse? Hey Pierre, t'aurais pas vu Radia dans le coin? T'as encore perdu ton cheval? J'en sais rien, mais lui laisse, attache-le la prochaine fois, je sais pas. Ok, prête-moi ton téléphone s'il te plaît, je viens de perdre le mien. Tu me mets juste un coup là, c'était là. Oh, j'existe, tu peux m'aider là s'il te plaît? Là, t'as besoin de mon aide là? Bah je sais pas, tu pourrais au moins faire semblant de m'aider. Radia, elle a disparu, je peux pas joindre mon père et tout le monde m'évite au village. Plus de son, plus d'image depuis quoi? Janvier? Et là, t'as besoin de mon aide? Excuse me, I can't your phone. Ah, j'ai pas de téléphone, moi. Pourquoi? Ben, les ondes, c'est mauvais, ça dérange les abeilles.
Mais vous foutez tous de ma gueule aujourd'hui, en fait. Et vous savez où vous êtes, là? Vous êtes sur méchant. Ça, 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 tout ça, c'est à mon père, ok? Écoutez, on attend juste que ce soit réparé, on s'en va. C'est marqué propriété privée là-bas au bout du chemin? T'en as pas marre de croire que tout est à toi tout le temps? J'en ai rien à foutre, ok? Leur bus, si j'ai une caisse pour elle, elle a rien à faire là non plus. Eh, déjà, parle pas comme ça de ma voiture. Viens, on va les discuter. Tu préfères qu'on fasse ça devant tout le monde? Dis-moi ce qu'il y a maintenant. Tu me cherches aussi. Je pose des questions, tu me réponds pas et tu te fous de ma gueule. Mais attends, je pense que la soirée, t'avais besoin. Enfin, je pense qu'on a kiffé tous les deux, non? Enfin, à moins qu'on ait peut-être pas vécu la même chose, je sais pas. Si. Alors pourquoi t'es comme ça? C'est très bien que c'est par rapport à mon père. Tu comptes vivre en fonction de lui toute ta vie? Je suis pas en fonction de lui. C'est juste que je le respecte, c'est tout. Et donc c'est irrespectueux de fréquenter un mec comme moi? Dans nos coutumes, oui. Qu'est-ce que tu me parles de coutumes? Tu vis en quelle année? 1912 ou quoi? Chez les gens qui perdent leur cheval, il y a des coutumes différentes que chez nous. On n'a pas la même famille, c'est tout. Donc parce que mon compte en banque n'est pas aussi large que les champs de ton père, plein de pesticides d'ailleurs. Ah, parce que tu n'utilises pas de produits chimiques, toi, pour réparer tes vélos? Mais il n'y a aucun produit chimique. Il n'y a que des produits naturels de l'huile. Il n'y a aucun produit magique, tu vois? D'accord, ok. Bah tu vois, grâce à ces produits magiques, on fait plus d'argent. Ok. J'ai compris. Si tu me cherches, je suis dans mon vulgaire atelier, d'accord? Tu sais, parfois, quand ça marche pas, faut pas forcer. Hein. Et vous l'avez trouvé? Non, on a trouvé personne. Merci, mon lapin. T'es mignon. À quoi? Maman est venue de nous quitter. Hé, ma belle. Vous l'avez trouvée où? Un peu plus loin, là-bas. Elle en avait besoin, je crois. Elle avait lourd sur la patate. Merci beaucoup. De rien. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Lombrique. Lombrique. Mais je me demandais où t'étais passé. J'avais besoin d'être seule. Je voulais savoir où je me situe, ce que je ressens. Ma place dans le groupe, dans le monde. Par rapport à toi aussi. Je pense que maintenant, je te comprends mieux. Et je comprends qu'on ne soit peut-être pas fait pour être ensemble. J'aurais beaucoup appris, mais maintenant, il est peut-être temps de passer au fond. Mais attends, je comprends pas. Il y a une heure, tu disais tout l'inverse. Enfin, t'avais réellement des sentiments pour moi? C'est pour ça que je suis célibataire. Merde. Mets un petit peu dans le là-dedans. Merci. Merci. Thank you.
sais pas trop ce que vous allez faire, mais merde. On prend. Merci. Bonne journée. Bonne chance, camarade. Merci beaucoup. Tu peux venir avec nous? Au cas où vous tombez en panne? Ouais. Non, le patron va me tuer, là, je peux pas. Sûr? Ouais, sûr, sûr, sûr. Bonne route. Merci encore. Hein. Merci. Ça rien. Non, wow, non, non, wow, wow, wow. Il se passe quoi, là? Putain, mais quel escroc. Non, mais, hein, t'es sérieux, là? Pas deux fois. Mais putain, mais c'est quoi, ce réparateur de merde? Il a fait de son mieux. Bon, pire, on en a rien à foutre, on y va à pied, non? Ouais, carrément, on y va à pied. Mais les gars, oh, oh, 3h40, hein. À pied, c'est 20 bornes. Eh, mais on va pas les laisser dans la merde, là-bas, hein? Bon, là, je crois vraiment qu'il faut que t'appelles Diamant, en fait. Mais là, ouais, là, c'est clair. Là, c'est clair. Eh, mais les gars, j'ai une idée. Ah,